Salut les gens, c'est Slan, on se retrouve sur RimWorld Royalty, les reines du Nord, et je me suis rendu compte qu'il va faire chaud ici bientôt, c'est une vague de froid, mais que comme il fait moins 4 à l'autre endroit, il risque de faire chaud ici, et qu'on va perdre toute notre viande, on n'a pas d'endroit pour la congeler, je ne sais pas la convertir en pemmican. Il y a une seule recette que je ne connais pas encore, c'est les rations de survie ici. Mais je ne sais pas comment ça se fabrique. Et je ne sais pas si ça peut se faire que avec de la viande. Donc on verra ça. Pour l'instant, en tout cas, on est un petit peu coincé. Et donc, on va essayer de partir avec. Ici, je l'ai défait juste avant. Voilà, comme ça on récupère tout. Et on va essayer d'emporter toute la viande que l'on peut. Oui, monde. Hop. Caravane. Toc toc. On prend toute la viande, toute la viande, toute la viande. Pourrira dans 1,7 jours, vous voyez. C'est tendu, hein. C'est tendu tout ça. On va ramener du cuir en tout cas. Quoi qu'il en soit, du four, de la fourrure. On pourrait ramener ça, mais c'est un peu lourd. Du bois surtout. Beaucoup de bois. Voilà. Allez hop, ça va peut-être pas. Attendez, est-ce que j'ai pris l'amplificateur? Olé olé. Voilà. Vas-y, un trajet. Eh oui, bah tout va pourrir, je sais bien. Je vais ramener rien du tout en fait, hein. J'en ai bien conscience, ça sert à rien de partir chasser pendant l'été. Avant d'avoir la technique pour faire des choses qui durent, il faudrait des végétaux. C'est quoi ça déjà? Des tables en métal, youpi. Content d'avoir ça là. J'ai beaucoup de cuir quand même. Beaucoup de fourrure de renard, de cuir fin. Encore de la fourrure de renard. Ok. Pas trop compris cette histoire. Allez, Grésy, si tu pouvais venir me démonter tout ça. Qu'on en finisse avec ça. Ça, je veux pas le démonter. Disponible, loup des bois effrayés. Eutymus Philonus, un comte de The Vert Empire, vous présente une requête. Il voudrait que vous preniez soin de 5 loups des bois à Palais des Neiges pour 2 jours. Les loups des bois sont des animaux favoris de Philonus. Il voudrait qu'ils expérimentent le monde dehors et sa cour royale. Les loups des bois souffrent de peste. Malheureusement, la faction bandit déloyale pour chasser les loups du bois. Pour essayer de faire du mal à Philonis personnellement. Si vous acceptez, Zélu des Bois, les pirates attaqueront aussi longtemps qu'ils s'y trouveront. Les raids arriveront à peu près tous les 18 heures. Waouh! Ils seront de taille similaire à ceux-ci. 3 pillards. Ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Il faudrait que les autres soient revenus. Après 2 jours, une navette arrivera pour récupérer Zélu des Bois. Si vous arrivez à les ramener à cette navette en vie, celui qui a accepté à 4 recevra 3 faveurs. Oui, mais il y a des pillards qui vont nous attaquer. Tout ça me plaît bien. Je vais attendre que les autres arrivent. Après, les pillards, on n'a pas grand-chose à gagner contre des pillards, à mon avis. Ils n'auront pas beaucoup d'équipement. Et s'ils en ont beaucoup, ça risque de piquer. Ils sont 3 quand même. Mais en fait, on a les trucs pour défendre, hein, c'est ça, dans cette quête. Non? Ils me filent pas des gens? Bah non, alors. Parce que les pillards n'ont pas beaucoup d'équipement. Les loups, ils ont la peste. Ils vont tout me bouffer. Sans façon... Bonne idée, mais non. Qu'est-ce que j'ai cassé encore? Non, je veux pas casser ça. Par contre, je veux bien
Casser ça. Voilà. Si, celui-là aussi. On va faire un décalage comme ça. T'es sûr que tu fais de la nourriture, toi? Non réfrigéré pourrira dans 1,2 jours. Bah oui. Et là, pourrira dans 3 jours. Oh là 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 là. Et ça, c'est la cata. En fait, ça va être pire. L'été va être pire que l'hiver. On peut pas faire de réserve de bouffe. Il est trop tard pour commencer à préparer la climatisation, je pense. Hein. Il me faudra bien 10 jours pour faire la recherche. Air conditionné, ration de survie. Allez, on va tenter le coup. On va tenter le coup. Ça me fait un peu mal au cœur de faire l'air conditionné maintenant, mais bon. Elle fait quoi, elle? Oh, elle en fait plein! Avec Colombe, c'est bon, t'as assez bossé. Tu vas maintenant faire... D'abord, constructeur, avant artisan. Niogosé, qu'est-ce qu'il fait? Non, 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 tu transportes rien du tout. Tu finis d'abord ça. On se peut se laisser apprivoiser? T'es sérieux? Et ça bouffe combien un ours polaire par jour? Combien ça mange par jour? Ouais, je vais le garder en vie pour l'instant. Il va me becter plein de trucs, bien sûr. Mais je vais l'envoyer au premier combat possible. Animaux. Dressage. Qui est-ce qui s'occupe de ça? Colombe la tameuse. 9. Et Grizzly pourrait être aussi tameuse. Ok, c'est Colombe. Alors, on va lui demander d'apprendre d'abord le dressage. L'attaque, ça serait bien. Le sauvetage, ça serait bien. Le transport, ça serait bien. On va essayer de lui apprendre tout ça. Et il peut se balader. Oui, bonjour. Oups. C'est pas flippant du tout. Je pense qu'elle peut coucher. Il peut coucher dehors l'oursin et il sera pas malheureux. Oh. Tous ces trucs qu'on peut faire, nom de Dieu. Waouh. Un trône, un grand trône. Des lits. Lit royal en métal. Allez, c'est vrai qu'il faut un petit peu dehors pour le lit royal. Alors, lit double en marbre. Non, le lit normal en marbre. Nous allons avoir en marbre esthétique 2 190-107 et en métal esthétique 1
110. Ah, ça repose mieux. 107 par contre. Donc on va les faire en métaux, les lits. Allez, on a une première chambre qui va venir s'installer bientôt. Bientôt, là, il va falloir pas trop traîner pour les chambres. J'en ai un petit peu marre d'attendre. 1, 2, 3, 4, 5. Ici, il y aura une chambre. On va faire plutôt la première ici. Même si, de facto, ça risque d'être le truc des prisonniers. Du coup, ça m'embête, en fait. On va faire une chambre ici. Et on va virer la cuisine, qu'on va déplacer plutôt vers là, de toute façon, puisque la nourriture se fait de plus en plus dans ce coin-là. Ok, la vague de froid est terminée. La nourriture va pourrir là-bas. Mais on s'en moque, parce que ça ne nous concerne plus. Construire une copie. On va faire des murs, ici. Toc, toc. Comment ça se passe, Colomba, avec ton ours? Ok, vous êtes en chemin. Et vous allez arriver très vite. Malheureusement, votre viande, elle doit être pourrie. J'imagine, vous revenez, vous arrivez, vous avez rien. Hein. Dis-moi que vous avez rien. Vous avez de la viande qui est censée être pourrie. On pourra la donner à manger à l'ours, hein, par contre. C'est pour ça que c'est pas si mal que ça. Elle va être pourrie, mais elle va pas disparaître, je pense. Ici, il faut juste leur dire. Ils n'ont pas encore commencé à se dégrader. Oui. J'autorise les produits frais. Explique-moi. Là, c'est pas perdu, hein. Air conditionné, ration de survie, ça je sais pas. Hein. On va voir si ça nous sert. J'en ai pas la certitude. Air conditionné, ça va nous servir, mais je sais pas si ça va être à temps. Vraiment pas. Puis c'est dommage parce qu'il fait tellement pas chaud, quoi. Ok, capsule de cargo. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oh non, pas là! Ok, bon, c'est la vie. Ça va s'abîmer, hein. Eh ben mine de rien, on a déjà presque plus de nourriture. Il va falloir aller chasser à nouveau près de chez nous. Dès qu'ils vont arriver, les libellules hirondelles, il va falloir qu'elles repartent. À nouveau sur la route, on the road again. Elle est seule. Pavé en granit, je pense. Encore faudrait-il aussi faire un petit peu de granit. Non, pas répété en boucle, jusqu'en posséder. Ensuite, à zone de stockage 1, la meilleure zone de stockage. En fait, non, on va faire une zone de stockage spéciale pour ça pour l'instant. Là, en effet. Pas, c'est la zone de stockage là. Bon, on va agrandir un petit peu.
On va l'appeler matière. Matériaux. Et donc, ici, tu vas détail apporter à matériaux jusqu'à ce qu'on en ait 200. Voilà. Détail jusqu'à ce qu'on en ait 200 à matériaux. Transporter tout ça. Ça aussi. Tu pourrais pas aller me faire quelques... Hop là. Ça va recommencer à ressembler à quelque chose bientôt. Ok, capsule de cargo là encore. Encore là-bas. La fourrure bleue, très jolie. Je ne sais pas quel animal a la fourrure bleue. Disque de démence majeure, Columba. Et pourquoi Columba ce coup-ci? Qu'est-ce que t'as? J'aime beaucoup mon travail, interspacieux, rempli de joie. Pantalon d'amour, tu t'en tapes, hein, Columba. Non, ça c'est Renard. Alors, environnement très déplaisant. Pantalon d'amour 11. Faudrait qu'on enlève ça. Nous avons charcuté un humain. Ah oui. A dormi dans la chaleur. Excuse-moi. Bon, ça fait pas si chaud que ça quand même. Oh, 40 degrés. Ok. Démolir. Elle a pas. Grizzly, tu vas aller m'élargir ça vite fait. Columba, tu vas démonter ça. Il va à l'ours. On va lui mettre un petit pot. En pot humide, histoire de l'adresser. Oui, en pot humide, bien sûr. Histoire de le dresser à aimer la peau humaine. Pareil, primordial. Faudrait pas que ça devienne un animal de compagnie. Faut qu'il renifle l'odeur humaine tout le temps, tous les jours. Jusqu'à ce qu'il en ait le goût. Tu pourrais me construire ça, Renard, au lieu de l'andouiller. Merci. Voilà. Ça pourrit. Ça va être compliqué. Faut que j'aille chasser. Et j'ai rien.
Arrête avec ton stress, là. Caravane arrivée. Allez, déposez-moi la viande. On va travailler toute la nuit. Allez, normalement, il fera pas trop chaud, là. Salut, les gars. Est-ce que ça a pourri? Non, ça pourrit pas. C'est réfrigéré. L'ours, il va se précipiter pour bouffer. Grizzly, tu vas te précipiter pour faire quelques petits trucs quand même, là, non? Bon, il n'y a pas beaucoup de viande, mais bon, ils ont ramené d'autres trucs. Des cuirs, ah là là là, c'est un carnage. Notre stockage, je sais plus ce que c'était. Ouais, j'aille vendre contre du pélican. Ils ont dû être ravitaillés. On va les laisser se remettre bien. Vous voyez, leur morale est pas très haut. On va les laisser remonter un petit peu leur morale. On va refaire quelques provisions. Puis on va essayer d'aller vendre un maximum de cuir, de fourrure, de trucs comme ça dont on n'a plus forcément besoin. Il va aller se reposer. C'est pas trop tôt. Notre ours. Si on allait le vendre, combien ça peut valoir un ours? Je vais regarder. En tout cas, ça peut servir à porter. Donc vraiment, s'il y a un truc pour lequel il pourrait me servir, ce serait pour les parties de chasse, pour servir de porteur, pour ramener plus de choses. Je sais pas combien il peut transporter. Je pense vraiment qu'il peut valoir le coup. Pourquoi je regarde? Ah, ils sont à la viande crue, elle. Attention, attention, attention. Repas, repas, repas. Repas normaux. Colombe, elle est en train de le dresser. Ça a marché? Échoué. C'est pas grave. 36% de chance, elle va réessayer. Elle en a pour 9 essais. 9-10 essais, et c'est bon. Un peu dommage qu'elle mette 20 viandes à chaque essai, quoi. Faudrait vraiment que j'ai les outils pour démonter les choses, quoi. La fonderie électrique, je me demande ce qu'on peut mettre dedans. J'ai pas déjà fait une ici? Si. Et pourquoi personne ne l'a construit? Colombe. On va essayer de faire ça propre et beau. Alors Grizzly, n'oublie pas, ta deuxième tâche, c'est vraiment de miner. Allez, m'en fais pas trop des repas là. 70, c'est bien, mais... Ouais, 50, c'est bien aussi. C'est même pas utile que t'en fasses tant, mais après, derrière... Oh là là. C'est vraiment terrible l'été. C'est pire que l'hiver, hein. Vraiment, c'est l'enfer. C'est pire que l'hiver. On est en train de perdre nos...
Oh, générateur à bois, youpi, groupe électrogène, du chem full, du câble électrique, du conduit étanche. Alors il est où le gazier? Il est encore en train de faire de la nourriture. Elle est encore en train de faire de la nourriture. Suspends-moi ça. Des trumbos encore. Bah oui, des trumbos. Ils vivent ici les trumbos. Depuis qu'on leur a dit qu'on les chasserait pas, ils repassent. Toutes les 2 minutes. Qu'est-ce que mort s'en suive? Pas de raison de s'arrêter, hein. Allez, là on est pas mal. Colombe a échoué dans la construction de porte en marbre. Oui, mais c'est pas la peine de me faire toute une scène pour ça. Hein. Ça peut arriver. Hein. Ça avance ma recherche de congélation là? Faire nos pâtes. Production. Distributeur de pâtes nutritives. Ça picote, hein. Réservoir. Pour l'instant, on va le mettre comme ça. Avec des réservoirs sur le côté. Oh, regardez-moi cette réunion de famille. Bon, apparemment, Hirondelle et Libellule vont bien. Eh ben, on va envoyer la caravane en route là avant qu'elle se repose. Quoique. On va faire ça à l'aube. Alors, par contre, là, clairement, agrandir la zone. Quoi, ça c'est de la viande? Qu'est-ce que c'est cette blague? Il y a des gens qui font pas, qui s'occupent pas du transport en priorité. Ah non, mais ça c'est pas possible ça. Colombe transporteuse avant tout. Ah ouais, mais d'accord, on peut pas. Grizzly, faut que tu transportes avant toute chose. Chasseur, dresseur. En deuxième, constructeur, puis artisan, puis nettoyeur. Ça serait plutôt. Ça dépend quand les autres sont là ou pas. Waouh, 17 la recherche, hein. Bah, ça va, c'est fini la nuit là ou. Non, ça se termine pas. Faut y aller. Oh, il fait pas si chaud que ça. Maintenant que c'est ouvert en grand. Extérieur moins 4. Ah, en extérieur, d'accord, c'est parce que j'ai pas fermé quelque part. Ok, ok. Il doit y avoir des toits pas faits ou un truc comme ça. Ah bah voilà. Ok, cherchons pas plus loin. On est en extérieur. Là, il va falloir faire un toit ou pas un toit.
Si c'est en extérieur, ça se détériore. Si c'est pas en extérieur, il fait chaud. Ok. Alors, la fonderie électrique, ajouter une tâche, extraire du métal des débris d'acier, oui. On peut recycler des armes et d'équipements. Eh bien, ça, c'est pas mal. Et répéter en boucle. Recycler des armes et recycler de l'équipement. Alors, que les trucs biocodés. Ah, il fait pas la différence. Ah bah voilà. Autoriser les armes non biocodées. Toutes les armes de mêlée aussi. Pour l'instant, non. Que les armes non biocodées. Apporter un matériau. En boucle. Recycler d'équipement. Les vêtements qui te trouvent. Voilà, autoriser les vêtements qui n'ont jamais été portés. Voilà, 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 voilà. Ah, génial. Enfin. Allez, les bilules, le boulot. Ah, mais pas les débris, pas les débris, pas les débris. Les vêtements, les... tout le reste. Voilà, les trucs comme ça. Alors, de la pâte. Et donc, a priori, tu fais plus de repas. Non. Excuse-moi. Tous ceux qui restent ici, qui sont ici, mangent de la pâte. Modifié. Aliment cru, non. Non, 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 non. Pas les cadavres. De la pâte nutritive et c'est tout. Et pas pourri. Voilà. Ah super, c'est en train de tout me démonter. Là c'est parti chercher quoi? Extrait du métal. D'accord, ça y est, on a déjà tout démonté, les biocodés, les vêtements des morts. Possible. Possible, possible. Il faudrait qu'on se fasse nos propres vêtements maintenant. On a assez de cuir pour ça. Compliqué. Compliqué, il faut que je fasse le tri dans tout ce que j'ai, que je décide, que j'enlève les vêtements dont j'ai plus besoin, que je me fasse des vêtements. Il va falloir travailler au craft. Hein. J'aimerais bien aller acheter du pemmican, mais j'ai de la pâte nutritive quand même pour l'instant. Tout n'est pas mort. Si, pour y aller dans 9 heures. Là on est mal. Mais bon, c'est la vie. C'est la vie, c'est la vie. Consommer ne peut pas transporter. Toi, bien sûr, tu transportes rien. Réservé aux prisonniers. Mais vous êtes sérieux? Va falloir s'occuper des vêtements des gars un par un.
faire des tenues, faire des réserves de tenues. C'est-à-dire qu'en gros, il faudrait faire une tenue standard qu'on puisse fabriquer de multiples fois. Le problème de ça, c'est qu'en général, on peut faire ça que quand on a des... Pas bah, des matières un petit peu standard. Après, je me demande si je pourrais pas tout faire en patchwork de base et juste avoir des parkas bien chaudes. Je pense que je vais faire ça, c'est-à-dire que je vais convertir une grande partie de mes tissus en patchwork pour faire les vêtements de base, le pantalon, le t-shirt, les chapeaux éventuels, etc. Et quoique les chapeaux aussi, ça peut tenir chaud et froid, faut voir. Et je vais ensuite, ouais. Et ensuite, je vais préparer les des parkas. Les parkas, j'essaierai d'acheter probablement ma zone Buffalo. Je vais arrêter de te forcer à faire ce travail-là. Est-ce que démence majeure, c'est colombe? Et on va faire là. Bah écoutez, on va partir. On va partir vendre tous les vêtements qu'on a, qui m'intéressent pas, qui sont probablement abîmés. On va se fabriquer nos propres vêtements, nos propres parkas. On va ramener de la laine de Buffalo. Parce que c'est le. En théorie, alors on n'a pas eu de chance, hein. On n'a pas eu de Buffalo. Mais normalement, c'est ce qu'on a le plus facilement. Et on va essayer d'en commercer et d'en acquérir. Et on fera ensuite des parkas dans certaines laines spécifiques qui nous plaisent. Uniquement. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on aura un matériau, on va faire une parka et si elle ne nous plaît pas, eh ben on la désactivera définitivement. Dans notre liste des parkas qui nous intéressent. Voilà. Eh ben écoutez, je vous remercie d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. Dès demain, on fait la caravane pour aller au village d'à côté et commercer. On commence à avoir quelque chose qui ressemble à quelque chose. Et un ours polaire, on va voir dès demain s'il peut nous aider à transporter et à faire quelque chose. A tout de suite pour la suite.